Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour sur... Alors on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour la semaine, sachant qu'il nous restait de la viande dans le frigo et dans le congélateur, donc il nous restait tout ce qui était jambon, blanc de poulet, escalope de soja encore un petit peu. Dans le congélateur il nous reste encore du poisson pané, des poêlés de légumes, des choses comme ça, donc j'ai vraiment acheté le strict minimum et s'il y a besoin je retournerai faire un petit ravitaillement à la fin de la semaine. Donc je vous montre déjà ce que j'ai pris pour cette semaine là, pour le moment. Donc j'ai repris des sacs poubelles, donc tout simple. Ensuite j'ai repris un lot de brosse à dents du coup qui est en promo, donc j'ai pris des soupes. Hop. Ensuite j'ai repris du café viennois, donc c'est du cappuccino hein, au chocolat, donc c'est super bon. Moi j'aime pas trop le café, donc du coup ça me permet de boire quelque chose qui me réveille mais pas trop fort. Ensuite j'ai racheté du thé vert bête goji, il est juste super bon. Ensuite on a acheté du rôti cuit de poulet comme toutes les semaines. Ensuite j'ai repris de l'emmental. J'ai pris également de la pâte à tartiner bio et équitable. Donc pour petit rappel, je fais mes courses à Hyper-U. Donc si vous trouvez de la marque U, c'est normal. Ensuite, j'ai repris de la compote de pommes allégée de chez Andros. J'ai pris également une brioche pour le petit déjeuner du matin, des petits bagels. Ensuite, j'ai pris du jus sans pulpe. Donc j'ai changé, j'ai pris de la marque U cette semaine pour changer un petit peu. J'ai pris toujours du lait au chocolat. Ensuite j'ai repris des pousses-mousses, donc j'ai repris une crème lavante de chez Dove. Et un pousse-mousse palme olive. Alors pour les céréales par contre, cette semaine j'ai pas trouvé les miennes. Et celle-ci est en promotion. Donc je suis partie sur celle-ci. Donc c'est les Marne Flex Golden. Alors c'est du granola, de son et d'avoine avec des noix et des graines. Donc on va tester ça pour cette semaine. Apparemment ça peut aider à réduire le cholestérol, donc pourquoi pas. Après je vous avouerai que celle-ci, en temps normal, le paquet comme ceci, donc il fait 500 grammes et à 5 euros le paquet. Donc autant dire que même si... je ne trouve pas mes céréales en temps normal, je n'en prendrai pas. Là, elles étaient à moins 50%, donc ça valait le coup d'essayer, sachant que sur 3 marques que je prends de céréales, j'en ai pas trouvé une seule ce matin. Voilà. Ensuite, j'ai repris de la salade de jeunes pousses, parce que du coup, je l'adore, elle est super bonne. Pour les enfants, j'ai pris ça. Donc, c'est des petits donuts nappés au chocolat. Donc, j'ai trouvé ça super mignon. De la marque Saint-Michel, sans huile de palme surtout. Donc on va tester pour un goûter de temps en temps. Alors j'ai repris des hachés de jambon à poêler. J'ai repris également des escalopes à la bolognaise de chez Père Dodu. Et des escalopes normandes avec champignons, crème et jambon de dinde. Et j'ai repris également des aiguillettes de poulet. Donc ça, je les prépare avec une petite panure faite maison, du coup, avec des flocons d'avoine. C'est super bon, tout le monde aime ça. Et c'est vraiment beaucoup moins calorique que tout ce qui va être nuggets ou choses comme ça. Et c'est vachement meilleur fait maison. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai la recette dans une prochaine vidéo. Et je vous reprends tout de suite pour le reste. Donc on se retrouve pour la deuxième partie et la dernière partie des courses. Donc du coup on a resté des knackis, donc de porc, des fois on prend du poulet, ça dépend en fait de ce qu'on trouve. J'ai repris des escalopes de soja et blé, parce que on les a trouvées super bonnes, donc du coup on en a repris. Donc j'ai repris de l'Arizona à la mangue, du jus de citron bio, j'ai pris de la crème épaisse de Normandie en allégé. J'ai repris, donc je prends ça comme ça, c'est des râpés de lardons cuits, fumés, qui sont beaucoup moins gras en fait que des lardons normaux. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment mieux. J'ai acheté de la pâte feuilletée allégée de la marque Herta.
Ensuite, donc j'ai repris du lait concentré pour faire un dessert, certainement. J'ai repris du beurre. J'ai repris des abricots. Donc là, c'était une promotion qu'il y avait en ce moment. Donc c'était 1,90€ les 1 kg d'abricots. Donc ça coûte assez cher en temps normal, on ne peut pas forcément en acheter. Donc là, j'en ai repris un paquet. Voilà. Ensuite, j'ai repris des cotons démaquillants pour moi. On a repris des pâtes cuisson 3 minutes. Des gnocchis à frêler. Des petites bananes. Alors, j'ai pris du chocolat noir bio, du coup, aux éclats d'amande caramélisés. Voilà. Ensuite, j'ai repris ça, donc du coup, pour les documents. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, j'ai jamais goûté. Hein, on n'a jamais goûté ni les uns ni les autres. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est de l'ortolan équilibre. Donc, c'est censé être du fromage allégé, sans lactose et réduit en sel. Parce qu'on est quasiment tous à la maison sujet à un peu une allergie au lactose. Donc du coup on prend des choses qui sont vraiment pas trop fortes en lactose. Ou sinon on prend des choses qu'on sait qu'on digère de manière à pas forcément être malade après. Donc ça on va essayer, c'est pareil, c'est en promotion cette semaine. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, ça faisait un moment que j'ai cherché et que je ne les trouvais pas. C'est des galettes de riz. Alors vous avez galettes de riz à la pomme et galettes de riz à la myrtille. Les petits avaient goûté ça chez la nourrice, ils avaient trouvé ça très bon. Mais on les avait pas encore trouvés. Donc là ma foi je suis tombée dessus, je les ai pris. Ensuite on a repris des petits mouchoirs. Des mouchoirs tout simples, du coup lotus, eucalyptus. Hein, voilà. Ensuite du coup j'ai repris un programme télé tout simple pour cette semaine et la semaine prochaine. Et pour finir, du coup, on a voulu faire plaisir aux enfants. Donc, on leur a pris ça. Donc, c'est les albums un peu comme les Panini. Mais alors, celui-ci, ça va être... Enfin, c'est toujours de la marque Panini, d'ailleurs. Mais celui-ci, ça va être sur les animaux. Donc, du coup, c'est assez sympathique. Vous avez des petits autocollants. Donc, ils l'avaient déjà eu l'année dernière. Ils avaient vraiment bien aimé. Donc, du coup, on leur a repris pour cette année. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce qu'ils en avaient un, mais ils en avaient qu'un seul pour trois. C'était un peu la guerre. Donc voilà, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu, que ça pourra vous donner des petites idées. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême.